Boubou Cissé, nommé Premier ministre au Mali, le ministre sortant de l'économie et des finances est en charge de former un nouveau gouvernement de large ouverture selon un communiqué de la présidence. Sa nomination intervient après la démission de Soumaïlou Boubey Maïga le 18 avril dernier et cela moins d'un mois après la tuerie de 160 civils peuls dans le centre du pays et une série de manifestations contre la gestion de l'État. À Bamako, l'éclairage de notre correspondant Mohamed Danioko. Le Mali a un nouveau Premier ministre. Il s'agit du docteur Boubou Cissé. Il occupait le poste de ministre de l'économie et des finances au sein du gouvernement sortant dirigé par Soumaïlou Boubey Maïga. L'attente aura duré 4 jours. 4 jours au cours desquels l'opposition et la majorité ont été consultés, comme l'avait dit la présidence de la République dans un communiqué juste après la démission du gouvernement sortant. Boubou Cissé, qui n'est d'aucun bord politique, va aujourd'hui essayer de fédérer les partis politiques, la société civile et tous les acteurs autour d'un même idéal qui est de faire face aux enjeux majeurs de l'heure qui sont la crise sécuritaire, la crise de l'école, le dialogue politique et la concertation nationale autour de la révision constitutionnelle. Celui qui ici est crédité de jouir de la confiance des partenaires économiques du pays va certainement faire affluer vers le Mali de potentiels investisseurs pour acter finalement le développement économique tant attendu par ce pays. Mohamed Danioko pour Median TV depuis Bamako.